وي سيدي دي تسوالين تي كيو 5 مازالك هاك مساوي تغمرت غرفيض قمضة لان تيدي غنية قبيلية تقو حريش غرويض هاك كي تقو ذم غرويض تي كلتا غنروح على ما الدزاير ثمن نقط للجا ثمن نقط تيدي غدينا غيون قبيلية السوازاليس قبيلية يسحان كي امزروي مقور لدغاد بويني منقار امزقون راديونا لو تياتر راديوفونيك نوار ذي جوالو نشفنا هذيك سكوسن 60 70 السعيد زانون ويني غيزوزنا دشحال نتيكا لك كي ما غادي تسوي كي اي سورا سوزم نمسلينا لو سون كان كي الاوديو السينيف تولي دي تيليفزيون نتسان تسو ثاني تقفوط نزيك امرو يعقوب سعيد حلمي جميله ماشي ذي ونكني اي غيزوزنا اسمين الله مش طوحيت تيكيو 5 تروح تنوذا فلاس تروح تنوذا فلاس سولاس ايوا كنا نوي اذا استاذي وني تغدي حكويك امزروي انس لدغا امزروي راديو تسنات اكذا راديو اكذا التياتر راديو فونيك نا امزكون سوزم راديو وكين اتيك نظام خلي نغدا سعيد زنون وما ينير ازوف لك مات زنون ازول رشيد ازول ازول في اللون مثل لك تزوغان سعيد الزنون ذيون جسم كي كيدي تسوغا لنا طاس طاس ما تنادر لو تياتر راديوفونيك هو يوفان هو يوفان كي نزغي بلي تولو دوك سكواسن 1934 عندنا ذي الدير ثمانا ماشي ذي تموت ثانية قبيليا ماشا ايزوغانيكس قاس القايز السليمان ذي زكان قاس بقا واش ناشا شيني شمضا راديو سكواسن 51 فوضون ثلاث 96 او يفن عبد السعيد غادي تكون كي امزغوي مالي مالي هذا اللي بدوز بسم الله امزوروت ادينا سوكشين سيدي ربي سبحانه شو ديسيناتور ديسينير ستاند دون على بدي غاس ديسينير خدمة لي فايتان دي لا ديبيش كوتيديان من فرنسا ديبيش ديبيش ماغازين فانتازيا دي بيير جاكاريس de contact médical, c'est une revue médicale du laboratoire Sarbac à Châtillon-sur-Chalaronne dans le département de l'Ain, en France. Et la bande dessinée, les beaux-arts, c'est une longue histoire. L'Achdmar Farm Office, c'est la rue Joinville. La rue Joinville de l'Isère, juste à côté, c'est le boulevard Bijou. Le boulevard Bijou, il y a un waḥfaf qarnas monsieur Alphonse. Il a un salon de coiffure, il a le salon pour femmes, pour dames, premier étage, et pour hommes au rez-de-chaussée. Une grande vitrine. Alors là, il y a un Bertrand Feidman, c'est un ami, c'est un jeune ami, fondé de pouvoir de Gazolux. Gazolux, il s'appelle Benamou. Monsieur Alphonse, il a un salon de coiffure et il y a un d'amener une sacnée, c'est un homme. Et il a dessiné, alors il a dit, monsieur Alphonse, il te demande de lui faire un dessin d'une femme, d'une belge, une jolie fille, à mettre en vitrine. Rochtenis dessine son crayon, avec les crayons de couleur. J'ai dessiné le visage de Véronica Lac, qui joue avec un lolade. Rochtenis, tu vas aller filmer, T'as joué une blonde. J'ai dit cette fois de très bien. Alors, c'est un cadre, il l'a mis en vitrine. Et il y a le directeur de l'école d'Alger, le patron, il se faisait couper les cheveux chez M. Alphonse, chez le salon de coiffure. Et il a vu, c'est le dessin, il dit des choses. Tu vois, chaque fois, je vais demander à la radio, voilà comment ça s'est passé. Et je me suis dit, c'est un jeune d'ici, là, et puis il a un don, il nous a dessiné ça, une belle fille, à mettre en vitrine pour le coiffeur pour dame. Mais s'il faut me l'envoyer, il va travailler chez moi. Et moi, je ne demandais pas mieux. J'avais le don du dessin, mais le jour où Ferrar me suis venu, tu vois, le scénario, il dit, carbis, il va aller sur chez. Parce que Haroros, il a vu mon nom. Il s'est Saïd Zanoun. Il a vu que j'étais un Algérien. Bien sûr, parce que je signais SAZ. S-A-Z. SAZ, ça veut dire tout et rien du tout. Alors, il a fait ça, il a dit, écoutez, vous savez, jeune homme, on prend vos coordonnées et on vous appellera dès qu'il y a quelque chose. C'est une façon de dire non, parce que j'étais algérien, je n'étais pas français.
parce qu'il y avait quand même du secteur du racisme, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Bon. Alors, il m'a dit, mais je vais vous adresser à dimanche matin. Dimanche matin, il dépendait de l'écho d'Alger. L'écho d'Alger sortait tous les jours, toute la semaine, sauf le dimanche. Et le dimanche, il sortait le journal dimanche matin avec l'enquête en rouge. Dimanche matin, écrite en rouge. Je vais voir dimanche matin, c'est-à-dire, ils sont amusés, ils sont fichés de moi, quoi. Je vais voir le directeur de dimanche matin, il me dit, ben, me répond la même chose, nous allons garder vos coordonnées et on vous appellera dès qu'il y a quelque chose. Jamais moi. Je suis revenu, j'ai dit au coiffeur, le garçon qui me faisait couper les cheveux, c'est un ami. Et puis ça, je dis, tu sais, voilà, M. Alphonse, il m'a envoyé, voilà ce qui s'est passé et tout ça. Il m'a dit, bon, c'est une façon de dire non. Mais pour ma chance, j'avais une chance inouïe. Il y avait quelqu'un qui se faisait couper les cheveux, c'était le concurrent de l'écho d'Alger. Il s'appelle Pierre Jacarès, qui était directeur de Dépêche Magazine, qui dépendait de la Dépêche Quotidienne, qui appartenait à Scafino. Il lui a raconté mon histoire. Il a dit, voilà, un bon dessinateur, ceci, un jeune homme, machin, et voilà ce qui s'est passé. Alors, il a dit, il faut me l'envoyer. C'est une affaire de concurrence. Ma chance, c'était ça. Et c'était les journalistes, et tous les dessinateurs, ils travaillaient, commençaient le soir à la rue Mange, au premier étage, à Dépêche Quotidienne, qui est, c'est lui le patron de Dépêche Magazine, qui sortait une fois par semaine. Et là, j'ai fait la connaissance de Pierre Jacarès. Pierre Jacarès, il me présente Albert Adrette, grand dessinateur. Il me présente Jean-Jacques. Il me présente José. Il me présente Edmond Tadi. Et j'ai manqué de me marier avec Edmond Tadi, entre parenthèses, plus tard. Alors, et là, je suis devenu, j'ai commencé à dessiner avec eux. Et mes dessins sortaient sur le Dépêche Magazine. Et ils sortaient sur le Dépêche Quotidienne. Et j'ai encore les preuves, je peux te les montrer, je les ai rapportées. J'étais en vedette, je suis devenu l'enfant chéri du journal. Et je ne sais pas ce qui s'est passé entre Pierre Jacarès, qui est patron de Dépêche Magazine, mais qui dépendait de Dépêche Quotidienne à Scafino. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il va quitter le journal. Il va créer le journal qui s'appelle Fantasia. Et Fantasia à la rue Marat à Bellecourt. Alors, comme c'est lui qui m'a engagé, et il me pose la question, il me dit, voilà, Zanoun, je vais te dire une chose, moi je pars, je vais quitter Dépêche Quotidienne. J'ai créé un journal, une revue qui s'appelle Fantasia, et je vais prendre des dessinateurs, je vais prendre des journalistes, et voilà. Et toi, je te conseille de rester avec Dépêche Quotidienne. En reconnaissance, je dis, c'est pas possible. C'est un personnage qui m'a aidé, un personnage qui m'a ouvert les portes sur le journal. Donc, il a créé le journal de Fantasia. Je le suis. Et j'ai quitté Dépêche Quotidienne, Dépêche Magazine. Et je suis parti à Fantasia. Et Fantasia, j'ai créé Jaha. Jaha, il a été publié, les histoires de Jaha, enfin, des bandes toutes les semaines et sorties tous les jeudis. Et à ce moment-là, il y avait, dans mon quartier, il y avait la grande chanteuse Orida Kharfla, qui était élue Miss Printemps. Printemps, c'est la fille de mon quartier. Et elle me connaît très bien. Alors, une fois, elle me dit, comment ça se fait? Khalid Saïd, Orida, c'est la fameuse chanteuse Kabil. Oui, oui, c'est la d'accord. Grande chanteuse, oui, oui, c'est elle.
elle, elle habite la Redoute. La rue de la Redoute, Alger. Elle s'est mariée avec Harun Rachid Lahmou. Ah, le musicien, ok. Voilà, c'est ça. Très alors, bien. On fait ça, elle me dit écoute, ce que tu écris pour le journal, c'est lu dans les journaux, dans la dépêche quotidienne, dépêche magazine, fantasy, parce que je faisais des bandes dessinées. Ma grand-mère me racontait des histoires, et moi, je les transcrivais en français, et je faisais la bande dessinée. Tu fais des belles histoires, tout ça, pourquoi tu n'écris pas pour la chaîne Kabyle? Je dis, mais ce n'est pas évidemment pour la chaîne Kabyle. Comment écrire le Kabyle avec les lettres GH, le RE, le RE, le... Elle m'amène la radio à la chaîne Kabyle, ça s'appelait la radio ELAC, émission en langue arabe Kabyle. Et là, elle me présente, c'est Saïd Rezouk Lahirahmou. Saïd Rezouk, qui était le directeur de la radio ELAC, Kabyle. Et alors, quand tu lui présentes les textes qui ont paru dans Dépêche quotidienne, Dépêche magazine, Fantasia, Contact médical, il appelle Majid Ben Nasser, qui était un chef de réseau de bombes à cette époque-là. Alors, il avait une émission qui s'appelait, associée avec Hamid Ben Halak, un grand journaliste. Ils avaient une émission ensemble qui s'appelait Sahran Dost, la revue du dimanche. Et dans cette revue du dimanche, il y a plusieurs styles. Et alors, il fait ça, il dit à Majid Ben Nasser, il dit, écoute, prends tous les textes de Saïd Zanoun, publiés dans les journaux, tu me les traduis en kabyle et tu les fais jouer dans votre émission à toi et Hamid Ben Halak. Alors, imagine-toi, cher neveu, j'étais jeune. Et c'est quelque chose pour moi de dire que mes écrits, mon œuvre, j'étais fier comparant. Et je vois que je vois Majid Ben Nasser, d'abord révolutionnaire. On était tous révolutionnaires à cette époque-là, attention. Hein. Alors, il était un chef de réseau de bombes par la suite que j'ai su. Et c'était un Kirk Douglas. Et un beau garçon, on ressemble. Et puis, il avait un accent quand il parle le kabyle. Il faut voir, c'est Mazir Arsal. Et puis, il était un grand responsable. Et Hamid Ben Halak, un grand responsable et journaliste. En même temps, associé pour faire cette émission de Saran Dort, Saran Soirée du Dimanche. Alors, et il traduit, il avait une écriture de chat, comme les pères de médecins. Il traduisait en kabyle. Déjà, les lettres kabyle, je ne comprenais pas, mais alors avec son écriture, alors je ne comprenais rien, mais lui, il comprenait tout. Et il dictait ça, alors imagine-toi, des riwayas, ça m'a chahouti au dihka, et diura, Saïd Zanoun, et de Selim dit, m'a chahouti, et diura, Ali Abdoun, le bras droit de Bachtar Zimhidin. Wow. Cheikh Nourdine, grand chef d'orchestre. En quelle année 52. Alors, Neptune qui a travaillé avec, comme directeur de production avec Gour Zerina, la berceuse de François Mitterrand, quand il avait tiré la fronte, c'est lui qui a fait ça. Alors, j'ai vu tous ces stars-là, ils jouaient dans un texte du petit Saïd Zanoun. J'étais fier c'était humain, c'était naturel. Quand j'ai rentré dans mon quartier à la Redoute, d'ailleurs j'ai écrit l'histoire de la Redoute, entre parenthèses, j'étais fier, tout le monde me regarde, il me semblait que tout le monde me regarde, il me semblait, j'étais tellement fier. Mais seulement, ça ne m'intéressait, les contes, ça ne m'intéressait pas. Moi, ce que j'ai voulu, parce que j'ai toujours compris, j'ai lu beaucoup de livres américains, et Dasher Hamet, et Al-Salut Gardner, les Peter Cheney, les James Adley Chase, enfin, j'ai lu tous les Paul Kinney français, enfin, tout ça, j'ai lu beaucoup. J'ai vu, quand j'écoutais la chaîne Kabyle, j'entendais toujours Timouchou Ayagi, d'ailleurs, j'ai fait des mouchoirs, mais ça ne m'intéressait pas. Je me suis dit que, moi, pour moi, le Kabyle, c'est le plus grand voyageur de tous les temps. Il a voyagé parce qu'il aime voyager, il a voyagé parce qu'il est obligé de voyager, de gagner sa croûte. Parce que lorsqu'ils se rendent des convoyeurs, ils se rendent des Français, des Meurthe-et-Moselle, des Minas, des Charbons, des Gounets, puis ils se rendent des Arvassordils, ils se rendent des gardes madettes, ils se rendent des Khamensens. Donc, ils voyagent. Et j'ai vu, donc ils connaissent tout, la culture, on s'est venu, ils se sont enrichis par leur voyage, par leur connaissance, et puis ils se rendent des Khamensens. Puis, il ne faut pas oublier que l'Algérie a été envoyée par plus de 20 nations. Donc, il y a 20 cultures différentes. C'est un enrichissement extraordinaire. Alors, j'ai fait ça, mais comme j'écoute la radio, moi, je rends hommage aux premiers qui ont fait des histoires, telles que quand j'ai fait Timouchoir, parce que c'était ce que je pouvais faire à ce moment-là.
pas. Je dis quand même qu'ils ont écrit des histoires, mais seulement moi, c'est fini, ça tourne toujours autour de ça. Moi, je voyais plus grand. Je voyais qu'à Marie Chérie, en 1820, elle avait une journée, elle avait 20 ans, elle a créé Frankenstein, le baron Victor de Frankenstein. Je voyais Bram Stoker, américain, il a créé Dracula. Alors, comme ça, on peut vampire sur le bord. C'est le cinématophone, il ne connaît pas, c'est du vampirisme. Je vois en 1820, Marie Chérie, qu'elle avait, c'est une journée, parce que comment ça s'est passé. Ils étaient 10 journalistes, ils avaient une vingtaine d'années chacun. Et alors, ils ont passé la Noël ensemble. Et alors, ils se sont dit, bon, cette fois-ci, on va réveiller chez qui? Parce qu'ils se rassemblent, le réveillon. Alors, ils ont dit, écoutez, celui qui va écrire la meilleure nouvelle, on va réveiller chez lui, c'est lui qui paye la note. Donc, c'est le gagnant qui paye. Donc, c'est le gagnant qui gagne. Donc, c'est le sens inverse, c'est des bourgeois. Et c'était le départ de l'électricité, c'était le départ du robotisme. C'est ça, c'est la naissance du robotisme, pour le dire, s'il appartient à Marie-Chérie, qu'on ne le veut pas. Elle a créé que, elle prend les cadavres, elle les faisait revivre avec l'électricité, avec des électrodes de Frankenstein, le Gourou, qui s'appelle Gourou. D'ailleurs, même maintenant, les Algériens, enfin, elle l'appelait pas le rôle. Le rôle, ça vient de la créature du baron de Victor de Frankenstein. Elle a gagné, il est devenu international, mondial, il est devenu extraordinaire, Frankenstein. C'était le début du robotisme, maintenant, c'est la machine qui fabrique la machine. On est arrivé là. Donc, on prend Bram Stoker aussi, quand il a créé Dracula, c'est vrai, parce que nous, ça m'a un peu vampire sur le bois. Quand, il ne faut pas oublier qu'un des a bouffé le cœur de Hamza. Donc, il y avait du vampirisme, il y avait de l'anthropophagie, il y avait beaucoup de trucs comme ça. Donc, il s'est basé sur quelque chose pour créer une histoire. Moi, je me suis basé sur quelque chose pour faire Bururu. Parce que l'Algérien n'a rien. Kouvaïli, il n'a rien fait de ça. Alors, j'ai créé le commissaire Amara Saïd au départ en 1956, ça s'appelle Telouf Marouch. Et pourquoi j'aime l'intrigue. J'aime quelque chose. C'est toujours la même chose qui revient. Non, j'ai voulu voir plus grand, comme les autres. Pas mieux que les autres, comme les autres. J'ai vu que l'idée de par exemple de Bururu. L'Ortinine Loz, on habitait la rue de Dalchinstar. On voulait se promener, se balader en ville. Connaître la rue Michelet, la rue d'Isly, la rue Charras, la rue Monge, les gens, les bâtiments français, les marchés, tout ça. Mais pour descendre, il faut descendre la rue d'Aude, parce que la rue d'Aude, c'était entre les cimetières chrétiens. Et entre les villes cossues des Européens, la plupart des colons et des étrangers sous le drapeau français, sur l'ancienneté française, et là, il y a les Algériens au milieu, c'est un ghetto. Alors, on était pauvres, on était pour ainsi dire les petits yaoulettes, et quand il y a une femme, une Européenne, elle a son jardin pour nettoyer son jardin. D'Ahmed, tu viens petit, écoute, rentre dans le jardin, alors ramasse-moi toutes ces nefs qui sont par terre, mais n'enlève pas ceux qui sont sur les arbres, hein. C'est-à-dire qu'on faisait le nettoyage. Et on prenait tous les nefs, on prenait tous les fruits qui sont tombés des arbres et on les emmenait chez nous pour les manger. Soi-disant, ils nous faisaient des dents, ce n'est pas vrai. On faisait des nettoyages. Alors, quand on descendait en ville, qu'est-ce qu'on prenait? Les tickets du receveur. On les ramassait, déjà usés, utilisés. On les effaçait contre un mur où il y avait de la chaux. C'est-à-dire, on enlevait l'écriture de la machine. Le côté où il n'y a pas où c'est pas imprimé. Et alors, à ce moment-là, ça paraissait comme si des tickets neufs. Ils n'étaient pas neufs. On lui montrait un receveur. Il y a un receveur, et dernier, je te parle de la naissance, l'idée de Bururu. Voilà. Il ressemblait à un rat. Il avait une tête, comme je suis dessinateur, j'ai appris le dessin, j'ai mis les caricatures. C'est un rat. Il avait les oreilles pointues. Il avait les dents d'avant comme un jeune lapin. Il avait les... Et alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les tickets. Il s'est aperçu, on les a trafiqués. Alors, il fait ça. Et à soir, hein? Vous voulez vous balader, hein? Gratuitement.
Le toit, et il prenait les tickets, il rentrait dans la boîte, il faisait et il nous permettait de descendre en ville et de se promener gratuitement avec les tickets faux. Donc j'ai vu que ce bonhomme-là qu'on traitait de rat, de souris, il est moche, il a les oreilles pointues, les oreilles, le nez, avec les dents, le machin qui sourit d'ailleurs, même quand il dit place, à force de dire place aux voyageurs, place, 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 il abrégeait ce place. Il faisait S, S. C'est comme il sourit. S, S. Et alors, bon, j'ai vu que ce bonhomme-là, qui ressemble à une souris, qui parle presque comme une souris, il est bon. Il a vu que nous avons fauté. Il a vu que nous avons triché avec les tickets. Mais seulement, il nous permettait d'aller visiter Alger, d'aller nous promener, d'aller voir. Alors, j'ai dit, il y a des gens. Ils sont des fois beaux, mais c'est la beauté du diable. Mais il y a des gens, ils ne sont pas beaux, mais cette beauté, elle est cachée. Mais il faut savoir la découvrir. Il faut la comprendre. Et là, j'ai pensé, quand il y a des gens, alors, c'est une on regarde toujours le négatif. Mais ils ne savent pas que ces gens-là, il y a la bonté qui est cachée, il y a la bonté quelque part. Et là, j'ai pris l'histoire de Bururu. Je me suis dit, comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on entend le hurlement de Bururu, de hibou, les bonhommes, on entend que ce soit en arabe, que ce soit en kabyle, que ce soit en français. Hein? En français, on dit qu'ils soient maudits, et en arabe, alors, ce qui est grave, c'est quand Chadna Terra et l'oiseau. Et l'oiseau est Imerov. Or, Imerov, pour moi, quand je dis, c'est le plus bel oiseau du monde. Il est beau, il est merveilleux. Il a un physique, il a une tête qui ressemble à un chat. Il a des beaux yeux merveilleux et plusieurs couleurs. Il a un petit bec et une petite bouche. D'ailleurs, c'est bien simple. Quand une vieille, elle va, elle a fait la beauté de Bururu, elle a transformé. Et là, j'ai créé pour. Voilà. Et alors, ça, je rends hommage à Cissé Drzoug. Parce qu'au départ, quand. Là, je crois avoir sauté quelque chose. Il y a Ali Abdoun, un neveu. Quand moi, j'ai voulu écrire l'histoire, j'en ai marre de dire, de parler de Roux, de j'ai dit non, j'ai dit, je vais voir autre chose. Je vois vraiment le Kabyle, ce qu'il veut, ce qu'il est capable de faire. Il est capable de faire. On a un shérif au Texas. Nous avons des Kabyles qui sont dans le monde entier. Ils ont fait des choses extraordinaires. Mais chez nous, il reste toujours des médecins, des Et là, c'est trop vieux. Et là, j'ai commencé à créer le commissaire. La première pièce que j'ai faite, en français d'ailleurs, s'appelle Telouf Marouche, l'affaire Marouche. Je suis cité un vendredi, quand on dit vendredi 13, ça porte malheur. J'ai fait ça, l'idée, c'est ça, vendredi 13. J'ai dit, bon, moi, je vais faire, ça se passe un vendredi. Il va y avoir 13 convives, et parmi 13 convives, il va y avoir une victime, il va y avoir l'assassin. Mais qui ne bougeront pas de la table. Ils resteront à la table, les 13. Younadiri, Younira, Adès, la police, comment ça s'est passé? Je me suis amusé à faire ça. J'aime l'intrigue. J'aime poser des pièges. J'aime, et on peut retenir, quand j'écris une pièce qui fait 150 pages, je sais qu'à la page 17, il y a 15 jours, ce que j'ai écrit. Avec la mémoire, si vous voulez. Cependant, quand je l'ai écrit en français, Nera Sissé Drzouk, c'est pas un riwaya français,
مي بيس بوليسيار ماشي ماشي تي مشو هي دي نتاي يا خما كانك بون انك استرس قبيلت ناس في تبع سروميت مي باش استرس قبيلت ديك السيمانه داروا في قبيلت تم كي جي اش ني ر ج ش يا خما كاين كانوا تكنيكي هو نا انا ديوز يسوري على عبدون براد رواند باش ترجم حدين يكتب رواد الى داس كاش تولي ميركرودي ينسي عليك الناس تفاقش شقي عطيني كتب تيمو شوها ديال جرنال تورا دي ديما شارع مجد بن نصر حميد بن حلا عطيني كتب يوت ان الرواية بوليسيار ان بياس عاوني ديال الترجمة ارتع لعبدون انتزا يسيدي يحيى انك تروح ساعة على موطو تو تكتب تنين وتو غير ثا رومي راك ثا تروح على سيدي يحيى استرجم كي يكتب فرنسي سالو سينا دقيق لي الجهه سينا يكتب كتب انك اسقرا الو بونجور بير كاسير خرب القاس هذا خما كان يكتب خرب انت يكتب سادي سي لوي ترادويزي اي لوي ترانسكريزي اون عرب اون لتر عرب دي روايه ميت اكثر روايه دي حقيقه روايه نو يجي سنه دي ترجمه سديسي خاطر خدمت محمد ونيش يخدم الرواية بقلم سعيد زانو وترجمة محمد ونيش وسعيد زانو سي لا ريغل باسكو جي سوي لان دي كرياتور 1973 دو لوندار لوفيس ناسيونال دو روا دوتور جو سوي دو روا دوتور اساسي دي اباري ديبي 1956 اي بور دير جي سوي اي جي تي بارمي لي جوري جي كري ميم لا دراماتيكي اذر دي جي كري 13 بيس ان فرونسي ما شاك فوا ما تعدي رواية دروي انا وندي كتاب على عبدون ناكل سعيد زانو صدر شي موتي سور مارش بي شي مو لا شو امضى اي بس محمد حلمي يطفي غير عمي عمر فدي لي شوز كوميرسو باش نصطب لي كاشين لي ناكني اخر ما كان وفا محمد حلمي كان باش غادي يخلص لي كاشينز 59 اخر ما كان ياك سعيد ني كيفاش نيك عبدون ما يقراش الروميه اني كنت شاك فوا تكتبها بالروميه وتروح دار سيدي يحيى استرجمه وكذا وانت يا اخي ما كاين كسب انك كتبت شتيني او يتنك غير فرض انت ترجم انا اشوف اصدر مهنه ناس صلاته بني اشك سماتور انك نسف كلام محمد حلمي نكتب رنو غير هذا نتيك روح هذا الترجم وكذا كذا كذا ميك ندم عندي خمرة صور قهوة انت تراجع كذا سبعة دوف يطلع بسعة تبقى تصع تصع تسمي الاستوار فك سوا كونو تسمي كتبع رواية الامبيسيوز سبادي مولا ريزومي سبادي مولا L'ambitieuse en français, pièce théâtrale, dramatique de Saïd Zanoun et de Mohamed Hilmi. Résumé. Car ce résumé, de Mohamed Hilmi, il y a une carte qui est Saïd Rezou. Ça. Ouais, il y a un homme qui a été dit, Mohamed Hilmi, c'est lui. Il y a une carte résumé. Il y a une carte qui est une carte qui est une carte انك ترى ما الا كراي خصم انك اسم تنسجم ديال ريبيتيسيون اخلي سعيد تمت كانوا قد غادي تولي تيكو تاك دي سوا النوفو كتسوا لا قالي شكو بخاليا تبدا الناس القايز دونك اسميس فراكن باش تكملو تمت كان داك لومبيسيوز تشقو في ثوري تم زواموس قبيليت مضات اي دي فون تشقو 56 56 هكا كملتو غواليك كمل اختبرت وحدي خاطر وين اختبرت وحدي حكي غير دات سي سعيد رزوق ترحم ربي ما كنا انت دينان انك تراسي تعرض وحدي بركة انك تي في اكسبلواتي بار عبدون من انت تي في اكسبلواتي بار تي في فان تي بار ما تهمي جو فو با سا لي ستيل محمد حلمي جولي سنا ستيل حلمي سنا واحد عبد عبدون سنا وراء حسين سنا ستيل دي ابسط نيكست بغا ستيل في واحد اي ماشي بي مونكوراجي اي كي باسكو ما طوندي بارلي اي ميم وراء حسين ترحم ربي خاطر هذا وسيف انك يباس انك سعيد انك سعيد دمي انك تمسك تقبل تقبل
بس جاي دينا سي الحسين بس انك رولا دي لا رودو تيلت بس ولكن جيدا اسمي دو سيلت قتل القائد قتل سليمان لا رودو تبود دامور بالفيل شوف لو قروس يقول ماذا يفسي ناس يرتي كتمي بتقبل يسافروا فوق القروس ناس كشميت قبالي استثمار ناس بورس استثمار قبالي إيه ما يوك ما كان يكتب روايات سقسير جدا ميد يفرسين سي سعد إلى قاصر واحد جو في توستي بوسا قرص أجدا ممكن يخدم لك جيم كي قرمي بوري جيم كي رنو حفظت تمثيل تقبالي كم غارب تقبالي بزرار تقبالي نات سليمان تقبالي نات القايد تقبالي بونيغرا نات رجال تقبالي بزرار نيت مسألة حفظات كلي فقط كتبها رواياتني ولكن رواياتني نكاير دي رواياتني سلغاسنت سيطرو حاشا ميزيريا حاشا برو حاشا زواج حاشا تكنيون حاشا ربيبن حاشا كذا ناس نعم أحيانا في الدرب خاطر ناس وإذا قبائل سخي مكان يجيونه مكان قبائل إسبالا دي تنادي فرصة الدوني سيف لس الدوني تيروح على الغرفة شحال تموت يقسن باش ديو يتشاو غرم غرم قرى ديالنا ولكن شقاد غرم فهمي حتى الدار ناس فرسي ناس ولا شي ميزيريا والسيناريو ناس تمور تاكين الجزائر الطاس تدي زغمن لي فيليستان لي بيزونتان لي تيرك لي زاراب لي رومان لي فرونسي لي اسبانيول لو سامدان واش لي غريكو سانداك تمور تاكي زورنا كي مور تاكي هاتي بارتي دو ميريديان ما تطلع غلوب لا بلانيت الي كوم سا الي طون بلان ميريديان تي تي الماس مو موطيت فينا ناس اللي لوان دي زوراغان دي تورناد دي ماريوت ماري باس دي زو دي توت لي كاتاستروف ناتورال لي لوان ان دوار دو دي سي لا سينتور دي سي دو ترومبلمون دو تير سي توتر ما يا ريان ناس مورا مدن مد دي زي دي زاف واش سي دي زاف دي زمي تاوي لي فيلا جونتي ناس يكون زاف راه كنا هو الحراش نكون هادي كاو وي زاف ناس ولا لي تو دونك جي كري دي ماشي مودر نورمال ما تفهم عبد الرحمن يسكر تدر في فيغا الى في لي بوجور دو تي اف ان غران رياليزاتور اللي تي لو جون برومي دو لا شين كابيلا 1948 جي تي ساك وري غطاش القبائل برا غير يمشي زاكر داكر القيم كان دي فيرو يزوج يسيرفي فيني سا تكني وين يسك بركات الى جي كري لا بياس جي كري لو اي جو فوا بونورو لي تي كلاسي 1er mars 1960, à la SACD à Paris, diplômé catégorie A. Il passe à la commission. Alors, j'ai le diplôme que je vais te montrer ici. Bon. Alors, bon, j'ai commencé à écrire les pièces, à reprendre mes pièces policières. J'ai dit, il n'y a pas de raison qu'il y a un Sherlock Holmes, il n'y a pas de raison qu'il y a un Georges Simenon, un Maigret, il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas un commissaire à moi. Et j'ai créé le commissaire à Marseille. D'abord, je l'ai appelé Younsi. Ensuite, j'ai changé de nom, je l'ai appelé commissaire à Marseille. Il travaille avec l'anthropométrie, la dactyloscopie, en empreinte digitale, avec le meilleur policier du monde. Naïd Orbani, et c'est là. Ensuite, j'ai écrit sur la révolution. J'ai écrit sur la révolution. J'ai écrit sur le Jundi Jazairi, le soldat algérien, j'en ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, j'ai écrit, j'ai dit, en Algérie, toute l'Algérie a participé à la révolution. J'ai horreur qu'on localise la révolution quelque part en Algérie. Maradini, Zegui, non, partout, tout le monde l'a sacrifié. Et c'est pour ça, Nias Kouliyoun, Adiyaro, Ainissin, Ainizan, Gwedi Gishhedden, Gwedi Gishrif. J'ai écrit La Redoute. La Redoute, je suis né à La Redoute. Je leur dis La Redoute. Asmi Lula va bien l'Israël de Stawali. Asmi Shigana se télégramme, il va bien en être un broc, il n'y a pas de croix. Il s'est dit Stawali, il s'est dit La Redoute. Il t'offre livré de famille, il reste à Jivis. نسيت روح في موت اطفال بروزي نسيت راه تصرف دي موت الناس يقولوا لي قد الجزائر سيت كان لي لما ريت جايه الناس تبغى غادي تصرا سريس الناس تصرف دي موت كما خدمت بالدر الدوني ادي مخير راه كانت دي ديال وشي موت
Ça, et c'est vrai. Alors, c'est le village de comme une mine de formation. Un coup de téléphone et voilà, par exemple. كل اللي يكتب في الحومه ندي السن ندي دي تربه ندي جهد ندي شرف مي كيني لا ردود سي تان كارتي ديكس لا ريد دافيد دونجي لا ريد دي ميموزا عندي لا دي دوش مورات لا ريد دي فري لونسري لا ري شابتان اي كلكو بتيت زين باس هير هير سيميتير كريتيان شو من ديكريت سيميتير ايروميين هير لي فيلا كوسو ايروميين les Madame Martinez, Madame Sanchis, André Esposito, Achille. C'est des noms étrangers qui ont la nationalité française, sont venus habiter la terre, l'Algérie, c'est la Californie. Bon, vous avez dit, là, nous connaissons les Algériens, les Tumas. Voilà le truc. Et voilà, il y a tellement. Achille Saïd, chinito, donc, pour ne pas couper le fil, là. Jusqu'à maintenant, avant la date d'indépendance en 62. Hein? Donc, c'est qui, Dame Chouari, grosso modo, avant l'indépendance. Sera, après l'indépendance, après le 62, à la chute des drames, un petit peu de radio, chaîne 2, qui est la radio de façon générale, où il faut une certaine situation, je crois, chez les solos, qui se voient une alpha de Samia, où on va aussi la fin d'Alger. Donc, il faut un petit peu de réveil. يروح سكت القايد على الجي من الميك يروح ثقرا ما ما ترين كي شي دينا كي يسد يسد الجزائر وسد خطر ايوا خطر يدينا ايوا سمو يموت جدي موس اكسترا اوردينير جدي تريت الدنيني جدي يكسب ثمور القبايل يساق ما سمي الساعد انت جدي اسمي سامر C'est pour ça que tu vas arriver ici, c'est à Marseille. Parce que je n'ai pas ouvert le service de Nédon, mais à toi, le service de l'Irnik. Il a fait à Marseille. À ce moment-là, je dis, il va voir, 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 il va voir. Et maintenant, il va voir, il va voir, il va voir, il y a un référendum, un vote de la famille Amérique, chez Gismarif, qui est un joueur. Alors, je dis, le mois de septembre 34. Saïd Gimas, il mousse au couvert. Et le vote de la famille, il y a eu le corps, mais Saïd, il y a eu le grand grand de la couvert, il y a eu le grand miss de la miss. Il y a eu le grand miss de la miss. Il y a eu le grand miss de ايش نقدر غريب انت الناس ديك مازال كنا مازال كنا مزيت مازال درنا الدرياب ربي ان شاء الله كان ولي سامر الوقت يا ترى نهار ما مزوري قموتن سعيد يسرسي كمام يو هنا هو نسد يسرسي سعيد ديال كارو مدير امر شو يسول سعيد سوري امر يو غير من بعد باش كنا يسول لا فامي امر فهمتي الحكام الى دي مون دورمير يدي سيرو في نيرغو اللي غتسروا بيبي يوفا داتي سويسير ونتين ورقاتوني إن يسالون دينار وكذا السم السوير مع مرض الصغيرة أي طلب يسم الجديد لا دي مون دورمير وانا سوير ان عامر عامر من كيما جاريان ديجي تاع سومي باراسيرو في نارغان سي سو يقيم يسم لي نعمر سعيد قيلي ديفوني برك دي لي تاسي بيربا سي تو الروايه اللي كتب سعيد زاب فوالا تحكيت تحكيت من بابا فوالا مشي بعد ولا يدينا انا الزواج قما كنت بابا فول دير مانا جدي بابا قما يمك يمك سيدي ريسميس جدا جدا يمس بابا جدا يمس بابا نتلقاي سيدي حجيله سائل لا فامي سايدين نترقي اوكي يما تواضيت يما سميس مكدور مكدور الجوهر توريث عبد الله الله جدي قاسي توريث عبد الله يواضي جدي عمر بابا نفس سليمان دي مدوكار تميرين للسوق يواضيين
دي فوا الشقيوان دي فوا شرح ديواضين دي فوا ثلاثة ديواضين يعني تتمير من الحباب هي دي جرسن سيني وزن يساعي اللي وانا يساعمي شماجين كون ساع أظن سببه إلا دي استوالي شقاناس مزوج نزوج لكن ميسا نرى ولا المريض دو مون بير دو مون مير يدو يلي سعيد زادو سي دي رولاسيون دو غران بير زواج نسبة قمارن ساعي اللي وانا ساعمي غير مكادا ولي مشارك Alors, si tu veux savoir la terre, la montagne de terre, tu veux savoir la montagne de terre, tu veux savoir la montagne de pierre, à Tirkaye, à Tirimban, à Tirgan, il y a des trucs comme ça, tu me dis que tu veux savoir les Sahara, les Sukhiwadien, et voilà d'où il est là, ça aide. D'accord. Okay. Ok. Donc, dans Souran, est-ce que Abdel Saïd, il est là, Khalil Saïd, il est là, ad dinir kaki qbel l'indépendance il a un détail ci dans nous mar nous a après 62 il y a beaucoup de détails dirine sur les détails de la révolution il y en a pas gars il y a la révolution tu as dit ma participation à la révolution j'ai participé partout j'ai participé za fan mazar tedd nasriman c'est moi qui l'ai pris en charge zahzouat al mazari anwan wa شهر رمضان يرحم ربي الشهيد يموت داكور تم تقديس مصطفى يعني لو 10 جوي 1958 على الجيل الردود دابا راه سمجو كي سيدي بوين داك اللي تي لي تي ريفوجي شي موا تدير شي موا شي موا نوك مي سيتي شي موا سي موا كي بريزون شارج داكور لي فريد فامي زواجي سيمكن لي بوين نويتي دي بوين بكري قاسي ضد قاسي لونسينيون C'était un grand enseignant de Gouni Gharan. Et il y a le Firaoun du journal, le livre sur le journal. Oui, mais il a parlé, mais ce n'était pas ça encore. Parce que j'ai les preuves. J'ai les preuves de Dakassi. Parce que Dakassi, c'est un grand révolutionnaire. C'est un grand responsable. Et celui qui m'a donné le livre en cachette de Nzar Fadma, parce qu'il y a des gens qui l'ont dit, c'est de l'hôtel Strasbourg. Le livret de famille frise dans un matelas. Il sourit à la chambre de Strasbourg, il tape le matelas, il se le livret de famille, il frappe dans la boîte à outils de la moto Hino. C'est un grand révolutionnaire. Khalil Saïd, c'était un enseignant de qualité, il souffre de toutes les générations, de vagues rares. Il y a que les cadres, la plupart des cadres, on a tête d'affaires ou les grades, il y a que le joueur venir, et il y a que le joueur après 62, pendant que je pousse une dépassée. Il était comme un village de mon père, il est en 1913. Il était professeur, il était les sœurs d'Estaouali. Tout à fait. Voilà, monsieur, la famille. Alors, il m'a donné la révolution. En plus de ça, je ne peux pas dire à quelqu'un, il m'a donné un roi de Cherk Mahanagra, le Seigneur, il a donné un Cherk Mahanagra. C'est pas grave. يسأل يونس راموتو قرأ شيء كنازي النوردي رم يمسير دافع مزو نكس مع اسمه أخو كتشرك مع الخوا ما فا ها ما نك ما تشرك ابغى جيت كوتيزون في لو بيي وزرير شو خدمة بس كل كنا جالسين يا بلي ما نشركش معك ني شرك صافي هسه ما صار يتفتح فن كنا يدا غيزن جاب صافي ما شو طرفك بس فتح دين زاوي النوردي ما يمودي درع ميزان أنا تي أنصام فماذا لديك اسم في ابراهيم اللي كان صام لا بس ما مشي في تي موريس بونسر يعني ادم زينا جويني زينا جو لا لا لا, لا, لا مسيلا كلا زينا سي لا بيرسور دو طاهر جويني كي تي ديفون ديريكتور جينيرال دو لا فارماسي سنترال ان سي دي فارماسي مسيلا ذا شو لا بيرسور سا بيرسور وتمشط توتيس تخدم كل الخاوه تز ضروري تنك ساعد رابين دو شوفو سعر فارموفيس ساعد يدخل مكا ساعد قاش ما تشارك معنا الدواء كدوري شارع طوموبيل لا دو شوفو تلي ميديكامون دي شانتيون دو سيزاري دو اوباديا تو سا
souffle-là, la bupénicilline à million, la dihydroxytryptamycine, la pantothénique, ça, les échantillons médicaux, les délégués médicaux, je fais une couche avec une petite facture où il y a le prix. Le bac à gaz, ça dit les échantillons. Ça va faire un MCINA, ou marqué de MCINA. Ben, le shérif Kafidi, ben, le shérif procureur général de la République, un grand responsable du FLN. Avec sa traction, plein de documents. Sa femme, Kafidi, à Berica, jamais, jamais, j'ai toujours alimenté la pharmacie. خلي ساعد نكمل كمل كان بوكو نفا كوبي الفيل بغن داك ني في الدواوين ناك تو لي زامبا لي خسر نص لو C'est ça, j'ai joué, alors j'ai dit, c'est arrivé alors un truc extraordinaire en 1964. Incroyable. OK. Avant 64, j'étais responsable du laboratoire Sarbac, un laboratoire d'antibiotiques chez Bakhada, à Pharmafrique. Alors, j'étais responsable, j'ai donné des médicaments échantillons, etc., pour les maquis de Msila, le Apathé. Alors j'étais dégué, on m'appelait Sarbac Junior, parce que je faisais la représentation des médicaments, je vendais les produits Sarbac. Sarbac, c'est l'égal de spécial, l'égal de laboratoire Roussel, du laboratoire Diamant, du laboratoire Sarget, tout comme ça. Mais moi j'étais chez Sarbac. J'étais responsable chez le produit Sarbac. Et j'ai été invité en 64 par M. Raymond Sarbac à Châtillon-sur-Chalaronne, dans le département de l'Ain. Avec M. Koussem, M. Koussem, inspecteur des laboratoires. Smir Boulardina, parce qu'il a entendu parler de moi, que chez les pharmaciens que je vendais, il y avait la pharmacie Amran, c'est Amara, les Yahya, il y avait Ben Bouali, tout ça, ils achetaient chez moi des produits Sarbat. Bon. Et c'était la concurrence. Il y avait les Algériens qui m'aidaient. C'est un délégué, c'est un Algérien, ou non. On achète les produits Sarbat. Contre spécial, contre Roussel, contre Diamant, etc. Monsieur Raymond Sarba, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, j'ai été invité à Châtillon-sur-Chalaronne, l'hôtel Chevalier Norbert. Le Chevalier Norbert, il appartenait à Monsieur Sarbac, le SMO, pour ses invités. Alors, il fait ça, quand il m'a reçu, il m'a reçu avec l'inspecteur de Monsieur Poussem, et dans une salle d'audience, une salle de conférence, il sortit par une petite porte, hein, mais ça s'est passé à Alger. Et on n'a pas passé. Il avait une chevalière extraordinaire, il s'est assis. Alors, il dit ça, alors petit Sarbac Junior. Alors, c'est lui, Raymond Sarbac, c'est le patron. Alors, on t'appelle Sarbac Junior en Algérie. J'ai fait ça, oui, parce que je vends vos produits, tout ça. Alors, tu défends bien le laboratoire.